Le but de cette présentation est de démontrer comment procéder pour identifier un hoax, donc un canular, ou une rumeur et qualifier une information. Nous allons procéder à l'étude du cas « Sauver Noélie d'une leucémie par une greffe ». Ce message a circulé à travers Internet, demandant à chacun des récepteurs de relayer le message à travers sa propre liste de contacts. Avant de procéder à l'analyse du message en question, il y a quelques questions à se poser. Qui est l'auteur du message? De quoi est-il question? Et quelle est la relation entre l'auteur et l'information? Où est située l'information? De quand date l'information? Comment l'information est-elle organisée? Quelle crédibilité on peut lui accorder? Pourquoi cette information est-elle là? Dans quel contexte l'information est apparue? Pourquoi est-ce que j'ai été choisi pour relayer cette information? Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce message? Et que suis-je en mesure de vérifier par moi-même au niveau des éléments d'information qui sont situés dans le message? Dans le cadre du message qui nous intéresse, nous allons essayer de voir quels sont les éléments utilisables ou sur lesquels on pourrait lancer des recherches ou s'informer à l'intérieur du message. Le centre hospitalier universitaire de Rouen est une information déjà. Nous avons le nom de la personne concernée par l'email, nous avons l'indication de temps et nous avons des indications concernant le lieu ainsi que des coordonnées de contact. Et nous avons une indication qui concerne le lieu d'expédition de l'email ainsi relayé. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la recherche de ces différents éléments et de voir de quelle manière on peut obtenir des informations en retour. Nous allons commencer par rechercher l'information concernant le CHU de Rouen. Avant de lancer la recherche, il est intéressant de connaître les différents ordres qu'on peut utiliser dans les fonctions avancées de Google. Voici donc les opérateurs avancés, comme cache qui donne les informations enregistrées par Google, link qui donne les sites possédant un lien avec le site concerné, related qui donne les informations en relation avec le site, similaire au site, info donne les informations situées dans la description du site, donc la présentation du site, site qui permet de rechercher un site ou un domaine, on peut s'intéresser à une recherche à l'intérieur d'un site internet ou par rapport à un domaine, quelque .com ou .ch, etc. InTitle qui donne la présence, l'information concernant la présence de mots-clés dans le titre. InURL qui est un opérateur qui lui donne l'information concernant la présence de mots-clés dans l'URL, le lien internet. Et FileType qui donne le type de fichier recherché, où on peut spécifier le type de fichier recherché, et InText qui nous permet de spécifier qu'on recherche de l'information dans le texte du site. Donc, pour le premier exemple de requête, si je cherche une information dans le cache d'Intelligentsia, j'aurai le résultat suivant. On voit bien que cette information provient du cache de Google. Maintenant, si je mets la requête suivante, qui est une requête composée site.ch, intitle.intelligence économique, cette requête me donnera tous les sites.ch contenant les termes intelligence économique dans leur titre. Nous pouvons constater ici que dans le titre, nous avons intelligence économique et que le site est bien un site en .ch. Si j'utilise l'opérateur related deux points le site, Google me donnera toute l'information similaire au contenu du site. Comme on le voit, toute cette information-là sont des sites qui sont similaires au contenu du site qui était inséré related.intelligentsia.ch.
Maintenant, pour cette autre requête composée avec in.url:intelligence-économique, ensuite site:.fr, j'aurai tous les sites en .fr contenant le terme intelligence économique dans leurs URL. Comme on le voit ici, les sites s'appellent intelligenceéconomique.fr, intelligence économique, et nous avons le fr qui ressort ici. Maintenant, concernant l'opérateur link:.intelligentsia.ch, il me donnera tous les sites qui ont un lien avec intelligentsia.ch, y compris les liens internes au site. On constate que ces sites sont représentés par un lien interne, et par exemple ce site, c'est un lien externe qui est fait avec le site intelligentsia.ch. Pour ce dernier exemple, nous avons l'utilisation de file_type.pdf qui nous dit on veut des fichiers de type PDF qui sont situés dans le site intelligentsia.ch, donc site:.intelligentsia.ch. Et on constate que ces fichiers PDF sont présents sur le site intelligentsia.ch. Revenons à notre message et effectuons la recherche désirée avec CHU de Rouen. Faire donc ma requête dans l'espace de recherche et lance celle-ci. Donc simplement avec CHU de Rouen, j'ai des résultats qui sont tout à fait corrects et je n'ai pas forcément pour le moment une information utile par rapport à la détection de la rumeur ou du hoax. Maintenant, je vais rajouter le prénom de la personne concernée en mettant plus Noélie et je vais relancer ma recherche. Et là, tout de suite, j'ai des informations qui m'alertent sur la possible existence d'un canular concernant cette information. Avec une autre information qui, elle, va plutôt dans le sens de crédibilisation. Ici, c'est un autre site qui fédère les différentes rumeurs sur le net, qui, elle, donc qui va aussi dans le sens d'une décrédibilisation de l'information. Si je clique maintenant sur la première information, j'obtiens confirmation que ce message était bien un hoax, avec le résumé du message et les recommandations. Cela dit, on peut noter que pour ce hoax, l'information de départ était juste. Le cas de cette petite fille était bien réel. Mais le message est obsolète car Noélie a déjà bénéficié d'une greffe de sang placentaire le 8 décembre 2003. Et malheureusement, elle est décédée le 1er juin 2004. On peut aborder là la notion des 2 mois par rapport à l'origine du message ou le premier envoi du message. Ce type de message devrait comporter une date et la date dans ce cas-là n'est pas vérifiable. C'est aussi un élément de décrédibilisation du message. Sur la même page, on aura les différents types d'emails qui ont été envoyés à différents publics sur les moyens desquels on pourra recouper l'information et comparer les emails qu'on a reçus avec ceux qui sont affichés sur le site, voir s'il y a une similarité par rapport au type d'information présent. Si on désire aller un peu plus loin, nous allons essayer maintenant de prendre une ou deux informations concernant ce message pour le vérifier au moyen des moteurs de recherche. Donc, on voit ici que Noélie est décédée et on va utiliser ces informations dans les moteurs de recherche. J'insère donc cette information, Noélie est décédée, et je lance ma recherche. J'obtiens un certain nombre de résultats que je peux aller consulter afin d'en estimer la valeur
Ici, je suis dans un forum de discussion. Donc, il s'agit de sauver la vie d'une fille. On voit que l'information est en relation avec ce type de message. Que à certains endroits de la liste, il est fait référence au hoax. Et on constate aussi que les personnes qui ont reçu le message en se posant la question « est-ce sérieux ?» ont, dans le doute, quand même transféré l'information à leur correspondance sans forcément essayer de s'assurer de l'authenticité du message. Si on continue à descendre dans la liste de discussion, on voit qu'on a un certain nombre d'informations qui recoupent ce qui a été trouvé dans Hoax Killer. Et qu'on retrouve aussi la mention d'Hoax Buster. On va s'intéresser à cette information. Donc, dans ce message, il est mentionné que l'établissement français du sang a publié sur son site un communiqué qui vise à clarifier la situation. On va aller voir à quoi ressemble ce communiqué. Point sur le recrutement de volontaires ou dons de moelle osseuse. C'est un état des lieux de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un don dans ce cas-là. Et donc rétablir un peu le processus de don au niveau de l'information qui était transmise et qui l'aurait mise à mal par la circulation d'une information erronée au sein du hoax, donc du canular, que nous sommes en train d'étudier. Il y a aussi un site qui est mentionné, qui serait le site concernant directement Noélie. Sur ce site, il semble que nous avons un certain nombre d'informations. Et nous avons ici une première confirmation du décès de Noélie. Nous allons revenir sur le forum et nous intéresser aussi aux dates où ces différents messages ont été envoyés. Ici, il s'agit du 8 juin. Ici, il s'agit du 9 juin. Nous sommes déjà à peu près entre 7 et 8 jours après le décès de Noélie. Alors que à ce niveau-là, la personne n'est toujours pas au courant de ce décès et continue à fournir l'information. Et si on continue à descendre dans la liste, nous avons une confirmation d'un canular, encore le 9 juin. Nous avons des prises de position, toujours le 9. Et finalement, le 14, nous avons une information comme quoi Nolly est décédé. Maintenant, intéressons-nous à trouver confirmation du décès dans l'actualité. Donc, je reviens sur ma page de Google avec ma requête et je vais m'intéresser à la rubrique Actualité qui donne des informations de tous les médias francophones par rapport à ce type de requête dès que j'aurai appuyé sur le lien hypertexte. Donc, je clique le lien hypertexte. Je vois que je n'ai aucune information dans un premier temps. À ce moment-là, je vais enlever les guillemets. Et relancer ma recherche. Et je constate qu'il y a une information ici qui est disponible. Je vais essayer d'accéder à cette information. Et je constate que le document n'est pas en l'état actuel accessible. Je reviens donc au niveau de mon information et je vais sélectionner. Je vois que nous avons le titre et la date de publication. Paris-Normandie, 3 juin 2004. Je vais donc m'intéresser à cette partie
de l'information que j'ai fait un copier-coller pour aller finalement dans Google à nouveau. Et je vais insérer la nouvelle information que j'ai trouvée et faire une recherche. Je vois que j'obtiens en premier résultat le titre du quotidien Paris-Normandie. Je vais essayer de nouveau d'accéder à l'information. Je vois que la page à laquelle j'accède ne contient pas l'information désirée, mais c'est simplement une page qui a été mise à jour depuis la date de la parution de l'article. Donc je vais revenir ici et je vais m'intéresser à la version cache de l'information. Donc Google me fournit la dernière version qu'il avait enregistrée et je vois qu'ici l'article qui m'intéresse est présent. Je vais de nouveau essayer de lire cet article et je vois que je retombe en cliquant sur le lien sur le même problème que tout à l'heure. Je vais donc sélectionner le lien, le copier avec le clic droit de ma souris. Et une fois que j'aurai fait ceci, je vais revenir dans Google et comme on l'a vu dans l'utilisation des différents opérateurs de recherche, je tape la fonction cache 2 points, je colle l'URL que j'avais trouvée, que je venais de copier dans le magazine et je fais rechercher. Et je tombe sur la version en cache de l'article de journal qui finalement valide encore une fois l'information précédemment trouvée. Nous avons donc complètement identifié l'information. Essayons de nous intéresser maintenant jusqu'à la fonction cache de Google. Comme on a vu, on a pu obtenir cet article. Si j'avais dû accéder à cet article par la voie normale, j'aurais utilisé la fonction de recherche du site en question. J'insère les mots-clés correspondants à l'article, certains des mots-clés, Noélie, combat, juin 2004, toutes les rubriques, et je lance ma recherche. Je vois que l'article est présent sur le site. Et je clique pour y accéder. Je vois que l'article est payant. Donc finalement, grâce à une mauvaise configuration du serveur de ce journal, on a quand même pu accéder à l'information en ligne. Et voici qui va clore cette présentation. Merci pour votre attention.